le 19 juin 2010, l'Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, totalise ce samedi 19 juin 2021 11 ans d'existence. À cette occasion, l'interfédération UNC Lualaba a passé cet événement dans la méditation tout en ayant une pensée pieuse à Vital Kamerhe, son autorité morale. Dans une déclaration faite ce même samedi 19 juin dans son siège, l'interfédération invite non seulement les camarades membres du parti cher à Vital Kamerhe, mais aussi à tous les Congolais à jeter un regard rétrospectif sur la marche du mieux-être collectif, de la tolérance et de la méritocratie. L'UNC fonde son combat sur les valeurs de l'égalité, de la liberté, de la justice, de la solidarité, du travail productif, de la tolérance et de la méritocratie. Sa devise, Union pour la paix et le progrès, est le reflet de la pensée du père fondateur de voir les Congolais vivre pleinement dans la paix et le progrès dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, soit 11 ans de vie de notre cher parti, l'interfédération de l'INC Lualaba se réjouit de constater que de nombreux cadres du parti participent activement à la vie de la nation dès par leur présence remarquable dans les différentes institutions de la République. La fédération de l'UNC invite par ailleurs les camarades membres du parti à quelques postes qu'ils se trouvent à s'imprégner davantage de la pensée du père fondateur du parti afin d'œuvrer pour l'atteinte de ses objectifs nobles qui sont la paix et le mieux-être collectif. L'interfédération de l'INC Lualaba saisit l'occasion de cette célébration du 11e anniversaire pour tout d'abord réitérer son soutien et réconfort à son président, l'honorable Vital Kamerhe, et ensuite dénoncer un verdict politiquement orienté, manifestement, dans les chefs de notre partenaire, dans le cadre du CACH, en vue d'échapper à l'accord de Nairobi, qui prévoit que le chef de l'État actuel puisse soutenir la candidature de notre président national, Vital Kamerhe, lors de l'élection présidentielle de 2023. L'interfédération UNC Lualaba appelle tous les camarades à rester mobilisés comme un seul homme en restant attentifs aux décisions qui seront prises par le directoire national du parti en vue d'user de tous les moyens pacifiques qui sont prévus par la Constitution de la République jusqu'à ce que le président Vital Kamerhe aura recouvré sa liberté.